Salut à tous, c'est Trunkan et on se retrouve à nouveau dans la God of War Saga, dans God of War 2, dans la peau de Kratos et on se fait directement attaquer par des putains de hooligans, c'est génial. On est donc au niveau de la cour d'Atropos, un lieu super sympa. Voilà. Bam. Bam. Tu meurs, merci. Je t'ai dit quoi? J'ai dit tu meurs. Ouais, et ta mort a été masquée par ce truc. Je suis coincé. Allez. Pardon? Quid dicis? Alors donc, on n'a pas d'échelle. Ici, ça sert à... En fait, c'est un truc... Ah bah si, on a une échelle, mais elle est peut-être un peu haute. Et si ça sert à monter, hein. Ouais, c'est trop haut. On va aller là direct, bien t'as vu. Bonjour. Oh, des Grecs tout nus. Oui, j'en prends, hein. Toujours plaisir. Ah. Ah ouais, je me rappelle. Si, c'est chiant. C'est très chiant. Voilà, c'est chiant parce que c'est ces putains de connards d'invocateurs. Ferme ta gueule. Merde. J'étais pas prêt. Tiens. Je crois que t'es mort. C'est mieux de les tuer tout de suite, eux. Bam! Tu restes là. Ah non, il en reste un, voilà, qui on sait pas trop ce qu'il fait, mais il le fait. Boum! Tu crois qu'avec un bouclier comme ça, tu peux m'empêcher de te tuer? Pendant ce temps-là, les Minotaurs, ils s'attendent. Ils font la queue. Oui donc, où en étais-je? Il en reste un. Raté. Pas raté. Vas-y, laisse-moi t'attraper, wesh. Viens devant ton pote. Raté. Raté. Coup de tête. Deep Throat, t'es mort.
Merci, au revoir. Oh, il y a la statue de la liberté. Donc. Alors, je me rappelle plus tout à fait de l'énigme. D'accord. Oh. Raté. Vous savez quoi, je vais mettre là. Te voilà bien niqué, garçon. Grâce à cette amulette, tu vas mûrir, garçon. Pas la peine. Et pour changer le destin de l'Olympe, Zeus s'est fait taper le moire. Toi, t'es mal barré, toi. Ouais. Mal barré. Ah bah voilà. Wow. Toi, tu meurs. Voilà, luxation du cou. Je sais même pas si ça existe. Y'avait rien? Vous êtes sérieux? Ah, vous êtes là? Ah ah ah, les petits coquinous! Bonjour! Ah, comme ça on vient se faire défoncer la gueule? Comme ça on est masochiste? Hein? Hein? Ça tombe bien! J'aime mettre des coups, moi. Oh non, pas eux. Des fans du roi scorpion. Bam! Eh ouais! J'suis un spartiate, moi! C'est trop loin. Là, il était pas trop loin, là, par contre. Là non plus.
Ah, il va se calmer. J'ai dit, il va se calmer. Il va se calmer. J'adore cette musique. Et c'est faible, il s'est bien fait démembrer quand même. Alors d'abord ça on va tirer. Parce que voilà, hein. Nanny des gargones. Et voilà ce qui nous manquait pour monter ça l'échelle. Ah oui, monsieur Burns. Donc là, les niveaux sont assez bien foutus quand même, hein. D'accord, c'est bon, on t'excite pas quoi. Voilà. Donc toi tu vas là-bas. Roulade. Important, toujours faire une roulade pour pas se faire mal. Hop, comme ça. Tiens. Saloperie. On va peut-être pas y aller tout de suite. C'est fait. Et là y a rien, bah, c'est pratique. Une plume de phénix. Aïe. Donc la statue. Présente une des sœurs du dessin d'ailleurs je crois. On va la placer comme ce fesse. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de statue avec des boucliers comme pour l'autre l'autre statue la dernière fois avec le j'allais dire le kekai, la barrière magique. Bam! Viens là toi! Et... snip la tête! Tiens, tu dégages. Raté.
Top, top. C'est bon, t'es bien mort maintenant. T'as pas de petites amies? Non, c'est bon. C'est dingue. Aucun respect, quoi. Hop. Oh. Alors, on va sauvegarder. Parce que, quand même. Hein. Ici. Deuxième sauvegarde, sauvegarde de secours, on sait jamais, au cas où le PVR chauffe trop, parce qu'il fait quand même assez chaud, surtout chez moi. Ah ouais, je me souviens, c'était bien relou ça. C'est des énigmes qu'ils ont essayé de refaire dans God of War Ascension, mais sauf qu'elles sont hyper lourdingues, quoi. Voilà, ni connu, je te brise la nuque. Voilà, toi tu ne sers à rien. Donc, vous voyez qu'on appuie ici, voilà, c'est assez classe, hein. Bam. C'est évidemment si on lâche, ça se casse la gueule. Tu te tais. Ouais. Bam, direct. Et on va aller chercher le coffre. Plume de phénix. Et là on rush, et là on rush, et là on rush, et là on rush, et là on rush pour essayer de pas tomber. Voilà. On passe ici. Parce que chaque plateforme en fait fait popper deux racines différentes à chaque fois. Pas se goinfrer. Bon. Mourez. Surtout. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Et c'est parti. Roulade pour pas se blesser toujours. Et on va augmenter les lames. Très bien. Enfin, ce putain de cyclone du chaos. Donc le cyclone du chaos, hein. Voilà.
cette porte était ma seule issue. J'ai passé 1000 épreuves pour accéder aux sœurs du destin. Et tu as réduit mes efforts à néant. Je me demande d'où tu tiens ta réputation, toi, le fantôme de Sparte. Mais c'est peut-être une épreuve. Vous me regardez, sœur du destin. Donnez-moi un signe. Dois-je, moi, le grand Persée, tuer ce dieu déçu pour que vous m'accordiez une audience? Pourrais-je alors arracher mon amour des griffes d'Hadès en personne? Sinon, je me contenterai de la gloire d'être celui qui a terrassé le puissant Kratos, l'infâme tueur de dieu. Mais je ne pense pas qu'un amateur de harpie dans ton genre mérite tant d'éloges. Donc, Persée. Muni du bouclier d'Athéna, je crois. Du casque d'Athéna, d'ailleurs, qui le rend invisible. D'une épée random, je crois. Et d'une frondasse. Et on va lui défoncer la gueule. Mais violent. Oh, je t'ai pas vu, fils de ta race. Ma magie t'a trouvé. Je t'ai vu. Tiens. Comment ça m'emmerder toi? Boum. Boum. Ah, tu fais moins le malin sans ton casque. Bam! Il y a un bon boucleur, hein. Boum! Tiens! Et alors, c'est qui ton papa? L'enfoiré. L'enfoiré. Le combat est presque fini. Tiens. Je reste là. Voilà. Et voilà.
C'est comme ça qu'on tue un héros grec. Ce bouclier. Le bouclier de Persée. Il va servir du coup à trancher la tête de la méduse en principe. Hein. En regardant dans le reflet du bouclier. Il a morflé, hein. Il a morflé. Donc, basiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre son bouclier ici. Faire monter la statue jusqu'en haut. Et bam! Ah, fuck! J'ai été un peu trop long. En fait, on sert de la toison d'or pour faire le deuxième bouclier. Fu! 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 Voilà, Michael Bay, t'as vu. Bon, on va sauvegarder, hein, déjà. Et on va se quitter là, je pense. Je pense que c'est pas mal. Des énigmes, un boss, ça fait un bon épisode. Allez, on va se mettre à côté de Persée, voilà. Allez, salut à tous, bye!